pour vous dire vrai, je ne stresse pas. Ce qui m'intéresse, c'est plus comment mes joueurs vont réagir demain. Et j'ai même pas de crainte, parce que j'ai dit, j'ai pratiqué tellement, je suis dans ce métier depuis très longtemps, je sais et j'utilise toujours un thème que je dis souvent, et quand tu sais que tu es en danger, tu n'es plus en danger. C'est quand tu ne sais pas que tu es en danger, c'est là où tu es en danger. Pourquoi il faut que j'aie peur? Demain, mes joueurs, je suis conscient et déterminé, et je sais que demain, ça va se passer ici, et on pourra prendre déjà une avance. Je serai toujours prêt. Le capitaine Courage est prêt à tout. C'est de ça qu'il s'agit. Pourquoi est-ce que vous avez toujours eu des préoccupations par rapport à ce stade? Est-ce que c'est ça qui a forcé... Mais c'est vous qui en parlez. Mais est-ce que c'est ça qui a forcé votre décision pour préparer le match du côté de Malabo? Non, ça n'a rien à voir avec le stade. C'est deux sites qui sont complètement différents. Il n'y a pas du tout de rapport. C'est juste qu'on était à proximité, à 20-25 minutes de vol. Donc c'est une question de logistique. Voilà, ne pas arriver trop tôt au Cameroun, perdre une journée, c'est perdre une séance, voire deux séances d'entraînement. Si on est arrivé le 23, on aurait été obligé d'arriver le 23. Si on arrive le 23, on a perdu cette journée-là. Donc c'est tout ça, c'est tout simplement une question de logistique, c'est des calculs, il n'y a rien à trop avoir, je ne vois même pas trop pourquoi vous cherchez à tel point à savoir notre organisation. Ça, c'est pas, à la limite, ça, très simplement ou très gentiment vous dire que ça ne vous concerne pas trop, à la limite. La seule pression que j'ai, évidemment que nous avons envie d'offrir à notre peuple la possibilité de nous voir, de voir jouer son équipe nationale à sa prochaine Coupe du Monde. Ça, au même titre que le Cameroun. Donc ça, pour ça, il n'y a pas de problème là-dessus. Tout le monde est sous pression. Mancini, par exemple, il est sous pression en Italie. Il a deux matchs très, très, très importants. L'entraîneur du Portugal est sous pression. Ce métier-là, si tu ne veux pas être sous pression, tu ne le fais pas. Si on ne se qualifie pas, ça sera un échec. Je prendrai mes responsabilités. Pas de problème là-dessus. Je prendrai mes responsabilités. Voilà, c'est pas une question de garder un poste. J'en suis pas là, moi. Dieu merci, j'ai pas besoin de ça. Avec mon pays, c'est pas ça. Avec mon pays, c'est j'ai envie que mon pays participe à une Coupe du Monde. Pour notre peuple, pour ces joueurs qui le méritent, parce qu'on est sur une constance depuis à peu près 4 ans. Donc, pour toutes ces raisons-là, on a cette envie, cette détermination de vouloir se qualifier.